amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge pour la période du 7 novembre au 9 novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. D'accord? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation en avance. D'accord? Je suis disponible mercredi, samedi, dimanche pour répondre à toutes vos questions. Hi angels, please give me a reading for my vehicles. Hi angels, please give me a reading for my vehicles. Hi angels, please give me a reading for my vehicles. Les vierges. Pour une certaine partie d'entre vous, d'accord? Ce n'est pas du vin, ce n'est pas de l'alcool. J'aime juste boire dans les coupes et c'est du thé. Non sucré. Ouais. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici dans une situation avec une personne dont vous êtes réellement obsédé. Okay? Donc n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Si vous n'êtes pas ici obsédé par votre partenaire ou par votre ex, vous avez ici un ex qui est carrément obsédé par vous. On a ici quelqu'un qui est réellement obsédé par son partenaire. On a ici quelqu'un qui n'arrête pas de penser à une personne. Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez même ici avoir une personne qui n'arrête pas de regarder vos photos, qui n'arrête pas de regarder vos vidéos. Si vous avez ici, je ne sais pas c'est qui chante, mais il est probable que vous ayez ici un partenaire qui soit en train d'écouter votre voix, en train de chanter des trucs comme ça. Si vous êtes ici poète, écrivain, vous avez peut-être ici des trucs en ligne où vous parlez, etc. Peut-être que vous avez ici quelqu'un qui aime vous écouter parler. Si vous et votre partenaire, vous êtes d'une différente ethnicité, comment on dit là, j'ai oublié. Vous êtes ici d'une différente origine, nationalité, background, culture. Peut-être même vous avez peut-être un partenaire qui ne parle même pas votre langue. Vous avez ici quelqu'un qui peut-être n'arrête pas de vous écouter parce qu'il aime entendre votre voix. Il ne comprend rien de ce que vous êtes en train de raconter, mais il écoute quand même. Ok, so pour une certaine partie d'entre vous, vous avez donc ici quelqu'un qui est plutôt obsédé par vous. On a quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir. On a quelqu'un qui ne veut pas vous perdre. Vous avez peut-être ici affaire à quelqu'un qui essaye de trouver les mots qu'il faut pour vous demander pardon si cette personne-là a eu à vous blesser dans le passé, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable qu'il y ait peut-être 4 à 3 jours, vous ayez ici repris la conversation avec votre ex. Yeah. Votre partenaire, il n'est pas 4 à 3 jours, c'est que ça fait peut-être 4 semaines à 3 semaines. Je ne vois pas plus loin que ça. 4 semaines, 3 semaines, 4 à 3 jours, il n'y a pas longtemps. Il vient juste d'arriver. Ils sont de retour. Les Dagobert, ils sont là. Casimir est là. Même Robert est réapparu. Mathurin est toujours perdu. On ne sait pas où il se trouve. Oscar est là. Ils sont là. Ils sont revenus. Que ce soit ici des femmes, que ce soit ici un homme, machin, ils sont là. Depuis le début de l'année. Oh, ils arrivent, les ex reviennent, ils sont là.
Ils sont de retour. Certaines parties d'entre vous aussi ne sont pas encore là pour vous apporter vous. Ils arrivent. Anyway. So, on est donc ici dans une situation où on a une personne ici donc qui aimerait trouver le meilleur moyen de communiquer avec son partenaire. On a ici quelqu'un peut-être qui a l'impression qu'il voit plus loin que il ne voit pas. Non, on a ici quelqu'un qui est très selfish, ok? Pour certaines parties dont vous pouvez ici avoir affaire à un partenaire qui ne pense qu'à lui, il n'a jamais vu plus loin que son nez et aujourd'hui il aimerait bien vous récupérer, mais il se rend compte que c'est beaucoup plus difficile que prévu. Pour une certaine partie dont vous avez ici un partenaire qui attend. Je ne sais pas ce qu'il attend, mais il est là, il attend. Qu'est-ce qu'il attend? Je me demande. Qu'est-ce qu'il attend? On a ici un partenaire qui est en train d'attendre. Il attend peut-être que vous retombiez dans ses bras, comme la première fois que vous êtes rencontrés. Il attend ici peut-être qu'il y ait ici un peu plus de passion venant de votre part. Peut-être que votre partenaire ne se rend pas compte que vous avez ici carrément changé de disque. J'ai changé de disque, j'ai changé de personnalité, j'ai changé de coiffure, j'ai changé au fait. Ok, c'est ici une situation où donc c'est peut-être vous qui avez changé et votre partenaire n'a pas changé parce qu'on a quelqu'un ici qui n'a pas changé. Donc si vous, vous n'avez pas changé, c'est que votre partenaire que vous cherchez à récupérer là, il a changé. Si votre ex n'est pas de retour, posez-vous la question suivante. Est-ce que c'est pas vous qui cherchez à revenir avec votre ex? Parce qu'ils sont de retour. Anyway. On est donc ici dans une situation où on a un partenaire réellement qui veut trouver quoi dire. Je veux réellement trouver quoi dire. Je veux que tu m'écrives comme avant. Je veux que tu me dises je t'aime. Vous êtes parti donc vous avez même ici quelqu'un qui voudrait vous dire je t'aime, qui veut vous offrir un cadeau. Je vois ici quelqu'un qui a un cadeau à offrir à une personne, mais il n'a jamais pu offrir ce cadeau-là à cette personne. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est très, très, très timide as well et qui... n'a pas réellement envie de se faire rejeter. Pour une certaine partie d'entre vous, les conversations que vous êtes ici peut-être en train d'avoir avec votre partenaire sont des conversations plutôt monotones. Mais vous avez ici votre partenaire, il est là, il vous attend, quoi. Oh, je sais que ça va prendre un peu de temps, mais au moins je sais que voilà, you know, la conversation va être un peu rapide à un certain moment donné. Si vous êtes ici dans une relation à distance avec un partenaire, on a un partenaire ici qui voudrait trouver l'opportunité pour passer du temps avec vous, un partenaire qui voudrait trouver l'opportunité pour venir vous voir, etc. Lorsque ce partenaire-là vient vous voir, surtout si c'est un dagobert, machin, machin, pardonnez, mettez les biscuits dans un coffre-fort. Important, mettez les biscuits dans un coffre fort. Ceux qui sont sur mon channel depuis très longtemps, ils savent de quoi je parle. Ils savent de quel biscuit je parle. Anyway. Allons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Angels, please give me. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est important pour vous de ne pas vous laisser déstabiliser par l'énergie que votre partenaire apporte dans votre vie. Parce qu'il est probable que vous ayez ici un partenaire qui... C'est-à-dire que dès que la personne, en tout cas, revient de votre nez, votre énergie est carrément déstabilisée, quoi. J'allais bien, tout allait bien. Un coup, tu viens. Qui t'a appelé même? Here. Je veux une deuxième chance. Est-ce que toi et moi, on peut reprendre? Est-ce que toi et moi, on peut... You know... Continuer là où on a laissé la relation dans le passé. Ça, c'est la phrase que je déteste le plus. Est-ce qu'on peut continuer là où on s'est arrêté? On recommence tout à zéro si je te donne une nouvelle chance. Parce que guess what? Je suis une nouvelle personne, moi. Est-ce que tu me connais? Parce que je ne pense pas que tu me connaisses. Il faut que tu apprennes à me connaître. Et il faut que j'apprenne à savoir si tu as changé. Parce que oui, bébé, il y a la concurrence. Il y en a trop. Ils sont alignés, mon chéri. Anyway. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous ayez ici votre partenaire qui souvent voudrait jouer au jeu du silence avec vous. Ou encore, vous avez ici un partenaire qui a l'impression que vous l'ignorez.
Ok? Comment je peux lui écrire? Comment je peux lui montrer que voilà, je suis de retour, je suis dans sa présence, mais les textes, les messages, ça ne s'afflue pas. C'est pas rapide. C'est toujours tellement lent. Alors que d'habitude, quand elle m'écrivait, c'était rapide. Quand on parlait, c'était toujours voilà. Aujourd'hui, pourquoi c'est si lent? C'est lent parce que quand on veut construire une bonne relation sur une bonne base, ça commence lentement. N'était-ce pas toi dans le passé qui me disais, bébé, prenons les choses petit à petit? N'était-ce pas toi qui dans le passé me disais, bébé, prenons les choses de façon organique? C'est pas organique seulement. Aujourd'hui, vous êtes ici dans une situation où la roue a tourné. C'est maintenant vous qui voulez prendre les choses doucement avec ce partenaire. C'est bien beau que tu sois de retour. Mais on va recommencer tout à zéro et on va reprendre tout doucement pour voir un peu où on s'en va. Parce que je sais d'où je viens et je n'y retourne pas. Je ne retourne pas d'où je viens. Cet endroit de dépression, cet endroit de pleurs, cet endroit où je me demandais quelle était ma valeur. Aujourd'hui, je sais d'où je viens. Je sais aussi où je vais. Tu viens me croiser sur le chemin et tout parce que je me suis arrêtée au feu rouge. Tu veux continuer ta route avec moi. Tu vas retourner en arrière d'abord. Tu reprends tous les pas que j'ai faits pour me retrouver en avant parce que j'avance. Continuer ma route avec toi, c'est peut-être possible, mais passe d'abord derrière moi. On verra. Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, cliquez sur le deuxième lien pour réserver votre consultation, d'accord? Je suis disponible mercredi, samedi, dimanche pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui est Gémeaux, Verseau et Balance. Bisous, bye bye.